Oui, venez ouais. Là, venez là. Venez là, pour te barrer sa crasse. Ah, ok. Parce que, faut que tu crasse. Faut que tu visites avec moi. Faut que tu visites. Non, plutôt. Quelle machine, c'est. Donc, ça est tout espace, il est vandalisé. Du vandalisé. On met à l'église pour moi. Ça c'est le travail qui est-ce qui fait ça? BCBJ. BCBJ aujourd'hui qui fait tout le travail ça là. Qui vandalise ça, j'en ai regardé là. Donc on dit c'est un business location qui est là. Donc c'est sous côté, l'incident est passé côté que je vais écraser en pile, en pile, en pile. Amis internautes, je vais regarder là. Là c'est NG Renteca. Ça c'est NG Renteca qui c'est un business, location de machine. Eh bien, qui tout près, collé avec Envahi Hôtel. Nous connaissons l'incident. T'es passé dans Envahi Hôtel côté plusieurs moun mouri, plusieurs arrestations faites. Et bien la police à travers DCPJ lui-même il était rentré dans NG Renteca et bien côté que li vandalisé en pile bagaille. Nous avons une déclaration propriété NG Renteca là qui saute et explique nous faire. Donc j'en nous regarder là, ça c'est location machine. Nous fait nous connaît plusieurs machines et bien la police, la justice et même allez, là, ça c'est Envahi Hôtel. Envahi Hôtel. Est-ce que c'est espace ça, c'est espace Envahi Hôtel là? Non. Espace ça, c'est pour. Et le directeur qui a expliqué tout ça. Ah, ok. Oui. Où c'est directeur espace ça? Yeah. Qui et tout prêt ensemble avec Envahi Hôtel quand la police a mené l'opération. Mais nous n'avons pas gagné à voir avec Envahi Hôtel. Comment entrer pour soi? FJ Renteca. Depuis qui est nous là? Depuis janvier 2011. Entrer pour soi, qui ça fait lui-même? Location de véhicules. Location de véhicules. Ça passe, expliquez-nous ça passe. Bon, hier, il était environ 2 heures et nous recevons un appel de disons de CPJ sur l'espace. Bon, nous pas de connaître, nous pas de recevoir aucune notification, nous pas de gagner aucun problème. Et puis là nous venons, nous faisons coup de fil, on prend, nous pas gagner des CPJ au garage. Donc là vers 8h du soir, nous apprenons qu'il y a des gens qui en dedans, on dit des CPJ t'a donné en dedans. Là nous arrivons, là effectivement hier soir, nous venons barrière ça crasé. Nous perdons environ 7 machines. C'est cette machine qui est avec eux? Oui, cette machine qui est avec eux. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? DCBJ? Oui, nous avons un coffre-fort business là, qui est pour nous. Nous allons mettre nos endroits pour nous, passeport client, propre dépôt client qui est dans nos caisses. Nous avons débalisé le business là, net à zéro. Donc, nous ne connaissons pas si, est-ce que effectivement, si DCBJ, parce que si DCBJ a dans un business privé, nous ne connaissons pas comme si nous prenons des cafons, nous chassons comme ça. Donc, pour nous là, moi-même, je pense. Et nous venons avec un juge de paix pour faire constat, nous avons un avocat nous là, Ahmed Palvin, vous comprenez? Bon, et qui disponible avec nous. Mais à qui objectif?
OK. Mais faire nous font visiter espace là. OK. Faut tu visiter avec moi. Faut tu visiter. Tu es marche stressé. Donc ça est tout espace vandalisé. Ça c'est le travail qui est-ce qui fait ça? DCBJ. DCBJ aujourd'hui qui fait tout le travail ça là. Qui vandalise ça, j'en ai regardé là. Donc vous dites c'est un business location que tu es là. J'ai mon lagan. Donc hier là nous recevons un appel. Et l'autre associé qui dit moi bien DCBJ dans le bureau. On n'a pas recevoir la notification, on n'a pas connaître et puis nous faire des matchs pour nous connaître ça va galérer. Vers qui l'est DCBJ? De 4h30 pour la 3h. Du matin? Après-midi. L'année arrivée, nous pas joindre, nous était allé. OK. Donc nous retournons, n'attendons en attendant que nous fassions suivi légal. Nous contactons l'avocat nous. Vers 8h du soir, nous apprenons gagner et Bruna Bio a une balle capturée et Mato a frappé. Nous ne pensons que c'est la police. Et là, nous venons comprendre que c'est des CFJ qui a été à 8h du soir. Nous ne connaissons pas si vous avez des JDP avec eux. Là, nous arrivons, nous joignons tout le bio à débaliser. Tout ça, nous avons gagné, coffre fort business dans tout côté aller, ensemble des chéquiers, ensemble des passeports clients qui étaient loués machines, nous allons avec tout. Nous avons des contrats, on contrat pour nous gagner que la police doit nous plusieurs millions de gouttes. Vous comprenez qu'elle ne va jamais payer nous. Nous cherchons dans le bio, nous avons tout ça débaliser que nous allons avec eux. Ensuite, nous-mêmes nous connaissons que nous sommes respectés de la loi. Si nous avons des choses, nous prenons nous clés sous les pour nous connaître qui s'allie. Parce que nous n'avons pas de rapport avec les bandits. Nous sommes entrepreneurs, nous faisons business, nous vendons l'État service, nous vendons le secteur privé à service. Donc nous ne connaissons pas ce qui passe. Donc nous avons des avocats, nous faisons constat, nous avons des avocats qui nous remettent le dossier. Donc nous faisons suivi pour nous connaître exactement qui s'est passé. Parce que nous connaissons qu'il n'y a pas de monde qui a décidé la loi. Même les, la police qui a fait la fête de façon légale. Et ça fait là, nous ne pouvons jamais comprendre. Et c'est garder, nous regarder pour nous qui s'allie. Nous remettons l'avocat à dossier, il a fait suivi et il a dit nous. Combien de machines nous perdons là? Et environ 7 machines qui allaient. Nous avons dépôt caoutchouc qui nous débarrassé le net. Nous gagnons un dépôt qui a une batterie. Nous portons tout aller. À peine si on veut une batterie là, comme nous avons constaté, nous avons constaté le fait. Il y a pile l'autre bagaille, ensemble des pièces de recharge que nous gagnons, nous comprenons nous portons aller. Net qui a lavé. Donc jusqu'à présent, je dis, est-ce que c'est l'État qui met nous à zéro? Après tout le temps que nous faisons notre travail, donc je dis pour nous à zéro, nous ne connaissons pas ce qui passe, donc nous connaissons que c'est la justice qui a fait suivi le dossier pour nous connaître ce qui passe. Mais on parle de coffre-fort, est-ce que c'est le coffre-fort qui est serré l'argent? Oui, oui, le coffre-fort qui est serré l'argent, c'est ça. Il y a la même. Donc nous avons une idée de quantité de coffre-fort dans le coffre-fort? Nous gagnons un coffre qui nous a semblé pour nous payer Nissan. Parce que nous devons Nissan longtemps que vous papier pour nous. Parce que vous connaissez la banque par les dollars américains qui nous tape stocké comme là. Vous comprenez? Un coffre qui est presque dans 300 000 dollars à peu près. 300 000? Oui. Mais vous avez un coffre. Donc, je vous dis là, nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est la police qui a la velle? Est-ce que c'est bandit? Mais vous dites nous que c'est DCPJ qui est entré. Donc si c'est DCPJ, il n'y a pas qu'à bandit. Donc nous avons que l'avocat a fait suivi le dossier. Si c'est DCPJ, nous avons été confiants que l'agent n'a pas perdu. Non, si c'est DCPJ, l'agent n'a pas perdu. Donc parce que nous avons affaire avec l'État. Est-ce que tout papier correct, patent, tout bagaille? Tout bagaille, nous agissons. Donc c'est l'État qui est le gros client. Donc ou même comme une propriété, comment vous interprétez ça, Rivière? Jusqu'à présent, pour moi-même, c'est un mystère. Je ne connais pas ce qui passe exactement parce que nous n'avons pas de problème avec la police. Donc, sauf que nous connaissons arrêté un gardien qui a accès pour ouvrir les barrières pour nous. Parce que après, nous avons deux barrières. Il y a une devant qui gardien qui a accès avec elle, ça derrière, elle n'a pas accès avec elle. Donc, okay, c'est l'administration. Il y a accès seulement devant pour ouvrir les barrières pour machine rentrer. Mais elle n'a pas qu'un accès pour aller derrière. Donc, il y a arrêté lui. Nous ne pouvons pas connaître les circonstances qu'il a arrêté là. Et c'est à partir de ce qu'on s'est arrêté là, nous ne connaissons pas. Est-ce que c'est cause ça qui fait que DCPJ fait perquisition dans le bureau? Donc nous ne pouvons pas. Mais la responsabilité de l'agent personnel, si le gardien a fait une bêtise ou bien il a impliqué dans le bagage, lui-même la pression ça. Mais le bureau a bagage. Ça nous fait dire.
Donc nous avons un avocat nous déjà qui sur dossier, nous avons un constat nous fait, on peut faire tout suivi légal. Vous parlez des gardiens qui ont arrêté. Qui est arrestation ça fait dans quel contexte vous arrêtez là? Hier après-midi. Hier, pendant que vous venez? Oui, pardon. Est-ce que le gardien ça fait partie de la compagnie sécurité dans le capital? Non. C'est sécurité personnelle. Il n'y a pas sécurité, c'est gardien. Gardien. Okay. Donc c'est l'air où vous venez à arrêter ou bien l'air c'est avant? Venir, donc c'est deux fois où vous venez, 2 heures après-midi, 8 heures. 8 heures du soir. Ok. Rappelez-nous nos business là et côté ici. FJ Rentreka. FJ Rentreka. Blessing 14, numéro 89. Ou même où c'est qui est? Oli Damis. Ou c'est un actionnaire? Qui ça me convoque journaliste? Jeudi dimanche là. Hier soir, c'était vers 4h de l'après-midi. On recevait un coup de fil des propriétaires, location ça, qui s'est réjoui NDK. L'homme fait ça, je m'arrête, je arrive, je vais jouer un monde. L'homme dit, je juge qui était là, je rentre en contact avec le juge, dit, tu es là, tu es allé. Vers 7h du soir, il y aurait l'homme. Je dis, la police vient faire perquisition dedans. Même les juges là, tu es là. Vers 4h, juge n'a pas de pouvoir pour faire ça que les perquisitions. Perquisitions sont toutes les procédures qui viennent. Juge là, là pour rentrer des lieux. Perquisition faite de concert, juge d'instruction et commissaire gouvernement. Là, en matière de crime, commissaire est automatique, lui présent. Mais ça ne me pas comprendre, c'est des brigades de la DCDJ qui rentrent dans NTK. Réjoui, yo crasé tout bagarre dedans. Comme nous-mêmes nous sommes constatés tout. Yo crasé, yo poté aller aux quantités de machines. Gagné coffre fort qui des passeport moun, qui te loué machine tout ça yo poté aller. Ça moi m'a annoncé. Jusque que la justice. Faut DCPJ en soi. World OPJ, hein, faut yo connait ça ça veut dire OPJ. Officier de police judiciaire là, faut qu'on ça ça veut dire. Mandé commissaire gouvernement ta quoi de bouquet a Ousvel Zabor pour prendre toute responsabilité. Son compagnie qui là depuis 2011 faut qu'il fait retourner toute machine dans place. Deuxième bagaille. Nous mandé nouveau directeur de CPJ assumer responsabilité. Je ne sais pas la démagogie qui est faite là, dans le réjouir NTK. Je ne sais pas quoi, spécialement c'est lui qui a ordonné. Nous demandons, inspecteur général, là, nouveau inspecteur général, là, prendre responsabilité là, pour être capable de demander aux policiers qui crasent. Est-ce que c'est une perquisition? Ou bien, pourquoi qu'on s'allie? Si une perquisition, la loi prévoit ça, mais je dis, mais comment vous le faites? Je dis dimanche, je suis obligé pour un juge de paix. Pour constater des gars. Hier soir, monsieur, c'est là que je paye ça. Il est difficile. Il est très difficile. Hier soir, les gens ont annoncé vers 7-8 heures que les policiers ont été crasés et brisés. C'est pour mon dépôt d'après ça, je me dis, qui a 150 batteries. Yo, allez! Et puis, il y a une vingtaine, allez. Bon. C'est vers la caméra, c'est normal. La police a 4 d'enquête, c'est normal. Mrele de l'Ouest 2 a. Qui monsieur Seyid, qui a fait confiance, on connaît 4 travail. Il n'a pas travaillé le soir. C'est la journée au travail. Je ne vais pas. Mrele SDPJ. Comme lui-même, il fait partie de l'Ouest 2 à tout, qui c'est Louis Charles, il n'a pas répondu. Qui veut dire, toute autorité qui aimerait le jour soit ça, pour limiter les dégâts, il n'a pas présent. Moi-même, en tant qu'avocat, je vais faire ça la loi dit me fait. Je vais faire ça la loi dit me fait, et dans les jours à venir, nous-mêmes, nous avons des résultats du travail que nous faisons. Mais parfait, est-ce que ça crive? Non, RTK là, il y a un pouvoir avec ça qui passait avec l'hôtel Envahia, puisque nous avons collé. Est-ce qu'il y a un lien? Ça, c'est la nuit avec la journée. Envahi Hôtel, c'est pour Fanfan
c'est Gonzales Bledco. Là, c'est pour Roosevelt Réjoui, qui PDG et direction ça, c'est machine Liloué. Donc, c'est Moun qui monte Moun, c'est là où on prend plaisir. Et là, c'est service nous bail tout étranger. Diaspora Capvidi, c'est ça nous fait. C'est service nous bail dans le pays. Et qui là, depuis 2011, si a monté de l'histoire, Monsieur Blanco a très vite à partir de 2015, 2016, 2017, c'est ça pas échappé. Compagnie ça était déjà là déjà. Je lui dis, moun, si vous avez lié, vous pouvez comment vous allez. Même là encore. Même là, il était associé avec. Même là, il était là dedans. Est-ce que c'est raison d'être pour la police fait brutalité ça? Comme il y a une saisine d'office dans l'inspection générale, l'inspection générale nous demande pour faire saisine d'office là. Pour qu'on ait exactement ce qui passe dans ça. Parce que nous-mêmes, respectueux de la loi, tout ça qui fait en dehors de la loi, nous avons boumé contre lui. Et tout ça qui fait selon la loi, nous avons respecté et nous avons obéi à lui-même. Est-ce qu'on va avancer sur des pistes de se récupérer pour diminuer l'enquête et la tout clair. Des pistes, on parle des pistes là. Je veux dire, enquête là qui mène là. La police gagne ou délit la loi baille, c'est flagrance qui allait de 24 heures. La police, et même la police, ça, c'est le commissaire gouvernement. C'est ça que j'ai toujours des problèmes avec ça. Léo dit, commissaire gouvernement, ben, délégation de pouvoir. Oh, la loi du commissaire gouvernement, c'est flagrance qui pour lui. Même j'ai en tant que même en tant que citoyen, on monde qui fait crime de vous action de vous arrêter ou remettre nos postes ou kembel ou mener nos postes. Arrestation était pour la police. One. Même la police là il pas demandé la main, il interpellé ou il pas arrêté. Elle dit ben nous pas jouer avec moi. Piste là l'a prêté à juge d'instruction. Mais vous voyez dossier à paquet. Paquet lui même il fait pas cool. Vous voyez dossier à cabinet d'instruction, juge d'instruction a gain piste ça. Lui-même l'a toujours continué enquête là et pour le finir avec ça que vous faites. Ou même comme avocat, qui interprétation fait ça arriver business client là hier soir? Aujourd'hui, pour moi-même, j'ai trop peu d'adresse. Je ne dis pas vagabondage. Je ne dis pas vagabondage là-dedans. Je ne dis pas. Pour moi-même, j'ai trop peu d'adresse et c'est ça que fait. Ça veut dire pas là où tu as parlé. C'est pas là où tu as parlé. On parle de sembillage. Oui, il y a une scène de pillage. Mais la scène de pillage là, puisque je ne veux pas faire connaître sur ça, puisque vous dites que la police. Si que la police la connaît, l'inspection générale la fait nous connaît, et nous-mêmes, nous avons plainte. Toute police qui fait, nous avons écrasé, briser ça. Donc, vous dites nous avons la police ou bien vous même comme avocat? Vous dites c'est ça, vous dites que la police. Est-ce que là, nous ne pouvons pas parler de scène de pillage? Nous ne pouvons pas arriver à vérifier si tu as la police effectivement? Jusqu'à présent, je ne connais pas si tu as la police. Si tu as la police, et c'est le juge qui est là pour une procès verbal là. Et pour ce verbal ça, l'a dit oui, nous avons constaté ça. Machine qui déplace, il a dit oui, tu as une quantité de machines qui déplace. Mais automatiquement, c'est une recherche qui me prend le fait. Pour me connaître la quantité de machines qui va, pas de juge, pas de la police, ou action vagabondage.